Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la comparaison en français. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Lorsque l'on parle d'une qualité, en général avec un adjectif ou un adverbe, on utilise trois expressions différentes. Pour la supériorité, plus que. Par exemple, Jean est plus rapide que Pierre. Pour l'égalité, aussi que. Par exemple, Jean est aussi grand que Pierre. Et pour l'infériorité, moins que, par exemple, Pierre est moins rapide que Jean. Quand on parle de quantité, on utilise plus de et un nom que. Par exemple, Jean a plus d'amis que Pierre. Pour l'égalité, autant de. Par exemple, Jean a autant de stylos que Pierre. Et pour l'infériorité, moins de. Par exemple, Pierre a moins d'amis que Jean. Toujours pour la quantité, quand on utilise un verbe, on place d'abord le verbe et ensuite les expressions que nous venons de voir. Par exemple, Jean travaille plus que Pierre, verbe est plus que. Verbe est autant que pour l'égalité, Jean dort autant que Pierre. Et enfin, pour l'infériorité, verbe est moins que, exemple, Pierre travaille moins que Jean. Attention, on ne dit pas plus bon mais meilleur, ni plus bien, mais mieux. Nous allons passer à un exercice pour voir si tu as compris. Si cette vidéo est trop rapide, n'hésite pas à la mettre en pause pour réfléchir et donner ta solution. Le cochon est moins élégant que le pingouin. La girafe est plus grande que l'éléphant. Je suis aussi gourmande que mon chien. L'éléphant est plus lourd que l'ours. J'hallucine autant que mon chien. Le chien est moins propre que le chat. L'escargot est plus lent que la licorne. Le requin est aussi dangereux que le crocodile. Le requin a autant de dents que le crocodile. Un kilo de plumes pèse autant qu'un kilo de plomb. Le chien est aussi joueur que le chat. Mais t'inquiète pas, l'éléphant, tu as une meilleure mémoire que nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as compris comment faire la comparaison en français. Et à bientôt!